Oui, hormis le gardien Thomas Roche qui est toujours en reprise, tous les joueurs ont repris normalement avec le groupe. Bah, pour les semaines à 3 matchs, on verra si d'ici là ils auront retrouvé un niveau qui vont permettre de les aligner. Mais en tout cas, ils ont repris l'entraînement normalement. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a Lucado qui a repris aussi toute la semaine avec le groupe. C'est des joueurs qui vont retrouver un état de forme petit à petit. Bah pour l'instant, ils sont encore trop justes, donc ils s'entraînent. Après, il nous reste toujours une séance ce matin. Après cette séance-là, on prendra une décision quant à l'équilibre du groupe et faire les meilleurs choix pour ce match. Mais oui, c'est des joueurs qui ont loupé la préparation, qui n'ont pas participé aux matchs amicaux. Et puis là, depuis le début du championnat, ils n'ont pas joué, donc ils sont en manque de rythme. Mais on fera un choix. Voilà, à la fin de cette séance. Bah, c'est le cas depuis quelques années avec cette équipe, mais il faut toujours se méfier. Là, je pense qu'il y a eu pas mal de départs aussi chez eux, pas mal de mouvements. Ils ont récupéré d'autres profils. Leur style de jeu a changé aussi avec Malick Tchoukounté devant. Ils ont un jeu un peu plus direct avec des milieux de terrain et des joueurs de couloir qui se projettent. Donc, on va se concentrer sur la qualité des joueurs qu'ils ont recrutés, et puis nous essayer de mettre notre jeu en place pour essayer de l'emporter. Bah, ce dont j'essaie de faire passer comme message, c'est faire en sorte que les supporters soient avec nous, et ça, tout dépend de notre investissement. Mais pour ce qui est de la solidité, oui, on sait que pour bâtir, il faut des bases solides. Cette solidité-là, à domicile, nous donne de la confiance, nous permet aussi de bien voyager. Oui, c'est important de pouvoir s'appuyer sur cet état d'esprit-là. On l'a vu encore contre Caen, la capacité de réaction du groupe était fantastique. L'état d'esprit aussi, on n'a pas lâché, quelle que soit la physionomie du match, on a su revenir dans la partie. Et ça affiche des valeurs qu'il faudra garder cette année. Il nous manque, à mon goût, 2 points qu'on a perdus à Pau. Je pense que c'est un match qu'on aurait dû emporter. Maintenant, on ne va pas faire la fine bouche. Je répète, le club sort de quelques mois compliqués. Là, on se stabilise. Donc forcément, c'est début de saison et positif pour nous. Maintenant, faut nourrir encore plus d'ambition, aller chercher plus haut, et ça passe par une victoire demain. J'aime bien la stabilité. Après, il n'y a rien de figé. Je suis reparti parce que les joueurs ont donné des satisfactions. Il y a des configurations aussi, des adversaires avec des profils de joueurs. Je pensais qu'on pouvait les mettre en difficulté en alignant cette organisation-là. Donc, ça peut changer. Selon les états de forme, ça peut changer aussi selon les adversaires qu'on va affronter. Mais tous les joueurs sont dans l'esprit, ça travaille dur, ça travaille bien. Après tous les week-ends, je fais des choix pour mettre le collectif dans les meilleures conditions.